Encore maintenant, après 25 ans. Oui, bien sûr, et surtout maintenant. Mais c'est un peu angoissant. Il y a quand même l'angoisse de rater son coup, quelque part. Mais on est toujours, vous savez, on est sur la pente raide. Hein. Rien ne dit avant de faire un spectacle qu'on va faire un bon spectacle. Moi, je peux avoir des idées bien précises. Je m'entoure de gens qui, je pense, ont du talent. C'est pour ça que je prends ces gens-là. C'est pour essayer de créer un bon spectacle. Je crois que tout seul, on n'y arrive pas parce que maintenant, c'est un petit peu comme au cinéma, le musical, la variété, le spectacle de rock'n'roll. Tout dépend de ce qu'on choisit de faire comme style de spectacle ou style de musique. C'est de faire un spectacle un peu varié pour que ce ne soit pas toujours la même chose. Et puis, c'est de faire les choses que les gens ont envie de voir ou de surprendre les gens, de faire rêver un petit peu les gens, parce qu'il est exact qu'en 84, on rêve moins qu'en 1960 et que c'est bien. Pour faire rêver les gens. Moi, j'essaie toujours de faire des spectacles par rapport à ce que moi j'aimerais voir si je vais voir un chanteur que j'aime bien.